Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique, Un jour une astuce, proposée par Medisite en partenariat avec Alpen Édition. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chien. Et comme nous, nos amis les bêtes sont sujets à des petits bobos. Mais tout comme nous, vous pouvez les soigner naturellement. Il existe aujourd'hui des alternatives douces et naturelles, que ce soit en aromathérapie ou phytothérapie, qui permettent de limiter l'usage des médicaments chimiques, qui peuvent toutefois être nécessaires. En revanche, attention, n'oubliez pas, il ne faut jamais appliquer une huile essentielle pure, c'est primordial, et c'est vrai pour le chien et surtout pour le chat qui est très sensible. Voici donc une petite astuce bien-être pour prendre soin de votre chien. Si certaines odeurs tenaces s'accrochent au pelage de votre chien, voici un bain sans danger pour l'animal qui en viendra aisément à bout. Commencez par saupoudrer tout le pelage de l'animal en évitant soigneusement sa truffe, sa gueule et ses yeux de bicarbonate de soude. Essayez de réaliser un saupoudrage le plus uniforme possible, mais toutefois sans excès. Laissez tranquillement agir le bicarbonate pendant 90 à 120 minutes, puis lavez votre chien comme d'habitude en utilisant de préférence un shampoing vétérinaire naturel et doux. Ensuite, séchez-le et brossez-le délicatement afin d'éliminer toute éventuelle trace résiduelle de bicarbonate. Le bicarbonate de soude agit comme une véritable éponge à odeur. Autre avantage de ce produit naturel sans danger pour le chien, il a tendance à tenir à distance la plupart des insectes indésirables. Ce n'est pas négligeable. Enfin, il donne de la brillance et une certaine douceur au pelage. Bref, un seul produit, trois avantages essentiels. Vous trouverez d'autres astuces pour protéger et soigner vos petits compagnons dans le livre d'Alice Delvaille, Soignez naturellement votre animal de compagnie, paru aux éditions Alpen. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle astuce.